Très chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. L'actualité nous appelle, le devoir nous oblige. Vous êtes si nombreux à suivre cette émission, Lobby Touryanani, avec votre humble serviteur Yams Yambe. Je suis là devant vos postes téléviseurs pour mettre le point sur les i. Carte sur table. Nous prenons des questions religieuses, nous mettons sur la table pour décortiquer avec des hommes dédiés. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec un homme dédié qu'on appelle prophète. Je ne précise pas, Nasuki Norwana, pour mettre un peu de suspense. Hein. Prophète, avec lui, on va essayer de parler sur miracle. Pas prophète, Baligny, pas miracle, les l'autre. On va parler aussi de côté prophétie. Prophétie, il y a un logo et après, tout le logo, il y a un logo, il y a un logo. On se pose des questions. Qui peut être prophète? Qui ne peut pas être prophète? Tout ça, cinq ministères. Prophète, docteur, apôtre, évangéliste, pasteur. Voilà. On va parler aussi de côté dîme, offrande, action de grâce, prémus. Ignoré dans le monde spirituel. Merci beaucoup parce que vous êtes si nombreux à suivre cette émission. À Maman Véro Balissa, na Belgique aussi, à Maman Zozo, na Canada. Un grand merci à vous, Maman Zozo. Le bourgogne, mais ça n'a pas ça va katakate. Aussi, un grand merci à Flor Bokombalomonge, Motonanzambe, Fabrice Adombeni, Motema Yanadej. Papa n'a rond les sacrificateurs. N'a pas si merci beaucoup parce qu'il n'a pas que vous êtes à l'émission. Bien, bien, Moukouata, la Grèce, Mbote, n'a pas que vous êtes à l'émission de Komobali. N'a pas si sous Mbote. Ah, on est ici, on a suivi Mbote pour nous avoir un bel et Ndeko Armedingasa. Armedingasa, il y a en Afrique du Sud. Niki Wenge, Gat Yambe. Vous êtes bel et vous êtes à l'émission en Afrique du Sud. On va parler, hein? On va mettre le point sur le jus parce que moi, confusion, ils en moi trop. Je ne suis pas seul. Je suis avec le prophète, l'homme dédié, qu'on appelle Gloria. Prophète Gloria, bonsoir. Bonsoir, papa. Tout ça l'année, tout ça la ravate, tout mon émission. Hein? Oui, oui. D'accord, je vous permets alors. On peut prier. Saint-Père, au nom de ton fils Yoshua, nous sommes en train de prier et de recommander cette émission très simplement. Tout le monde qui est sous l'influence de ma voix, qu'il soit béni. Au nom de Yeshua Mashiach, j'en supplie, je dis Amen. Amen. Mon Zambé, bonne santé. Santé par la grâce de Dieu tout le monde. Aujourd'hui, et monsieur Zali Lobby en anime, j'ai préféré Orben en haut la profondeur, appelle la profondeur. Amen. Et c'est ça, hein? Bozindo et Bendara Bozindo. Thème émission, toi, en haut les loyers en Guana. D'abord, on va parler sur trois points. On va parler sur miracle. Oyo, et Zali Lo, domaine à Montonion, so. Pasteur au Salango, docteur au Salango, prophète Koutoukolobate, de côté Nabino. S'il faut parler de côté docteur, ministère en agnon, on va parler aussi de côté prophétie. Parce que prophétie, on dirait que tout est sous qui peut prophétiser. Voilà. On va parler aussi d'un point en souk à dîme, offrande, action de grâce et puis promus. Photo yé, bablo, roi, les aranini, parce que bah, n'a pas moi confusion. Et qui peut recevoir votre dîme, n'a aucune action de grâce, n'a yo, et pour couper sa action de grâce, place ni, topo nani, trio, ma ramona, mis ça tout. Mais, miracle d'abord, commençons par là. Miracle, en un mot, c'est quoi? Miracle. Le miracle, c'est ce que l'homme n'arrive pas à expliquer. C'est lorsque Dieu étend sa main, nous devons expliquer en mot, il y a moins un miracle. Lorsqu'on explique le miracle, ne plus le miracle. Le miracle, c'est le signe naturel. C'est ce qui est spirituel et comme il concrétise dans notre monde. Il y a un moment où il y a un miracle. C'est lorsque Jésus, pour Bartimée, moto oyo misu poufa, aller à prier les misu na emoni. Comment on peut expliquer ça? Il n'y a pas la médecine, c'est au-delà de la médecine. C'est ça ce qu'on appelle le miracle de Dieu. Donc, si on explique le miracle, ce n'est plus le miracle. Le miracle, c'est lorsque quelqu'un est étonné. Tu habites à Koufi Pierre à côté. À Sambeli, tu habites à Sekoui. Il y a des qui nous ont évité. Il y a un miracle. C'est un peu ça le miracle. Donc, c'est le mot qui explique à Raté. Voilà. Donc, moi, je vais expliquer à Raté. Vous parlez de quelque chose. Vous venez de parler de quelque chose de surnaturel. Surnaturel, il y a un
moto na nzambe moko mikolo eleki et puis na mona ki pesu na ba TV mususu na bosa ni komba mukubwa za na ministère amen alobi le surnaturel c'est quelque chose qu'on n'explique pas na yo le bisu le surnaturel ah yo pour osa langage monanga ki c'est quelque chose qu'on n'explique pas non plus. Le surnaturel, je sais que spirituel, parce qu'il y en a les naturels et les surnaturels. Voilà. Naturel, les alliés, Namouni, papa, yam, salati, cravate. Voilà. Ils ont quelque chose de naturel. Mm. C'est d'habitude, je ne vais pas acheter ça. Mais le surnaturel, c'est ce que spirituel. Quand est-ce que le surnaturel devient miracle? C'est lorsque le surnaturel, là, et le quoi les amours limo, qui vont zambé, et yen, qui vont zoto, et ça, les locaux, ne va pas au surnaturel. C'est ça le surnaturel. Donc, on a ça la casse naturelle et ça on a la divinité. Donc, ça bon zambé, zamba peso qui bon zambé, c'est naturel et salé. Donc, zamba ça là au travers na lo. On a pas besoin de naturel. Si naturel. Alors, les lots au monde, bah miracle, les commis moi ébélé, prophète, excusez-moi les termes utilisés. Bah miracle, les commis tellement ébélé. On se pose des questions. Miracle, les aïe solo, tu es aïe à l'okuta. Pourquoi j'ai dit ça, mon ton zambé? Pasteur, mon rabbi, mi kolo yo. Bushima, azo kabula, azo zora mai, azo komisara ngo makila. Aza kotanga ba, comme on est na on maîtrise te, mais fona luka epi po ba be aza pasteur. En tout cas, moi j'ai beaucoup de respect vis-à-vis ba homme de Dieu, na respecte bon makasi. Donc aza pasteur, azo aza ce monde pastoral, ministère ya pastoral, fona luka na sa nebe mission. Miracle le lo comme un de spectacle. Vous confirmez cela? En fait, Jésus-Christ, j'aime beaucoup l'appeler dans son nom, Yeshua Mashiach. Il n'a jamais fait le miracle pour faire le spectacle. Je suis très contre avec le spectacle à l'église. Mais je suis pour le vrai miracle. Ce qu'on appelle les maïtona aujourd'hui à l'église, je suis contre ça. Je suis l'anti-maïtona. Je ne crois pas. Je sais que ça existe parce qu'il y en a des faux. Il y en a aussi des vrais. C'est pour cela que moi j'aime plus parler des vrais. Donc, miracle et ça les marques. Voilà. Mais il faut pas côté belé parce qu'il y en a beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Voilà. Donc, tu vas ça va miracle à l'écouter, ça va faux serviteurs de Dieu. C'est pour cela que je voudrais dire à tous les gens qui font des faux miracles, le jugement viendra pour eux. Donc, c'est un peu ça. Si vous, mon je suis un peu ça, je suis un peu ça, je suis physiquement boy. Je suis ça. Mon combo soit bimi dans tout le monde physiquement beau et tout au monde le roi n'est que la rabisso des fois biso tout l'ingrato y est bapé au monde en bakassa au monde en tilapia bimi dans tout le monde moi si à moto ya moi si na sert qui bon moi si moi ça bimi si tilapia toi bimi si ngolo et ça vrai miracle à éviter. Est-ce qu'il a vrai miracle? Ok, je vais vous dire une chose. Moi je suis un homme très équilibré. Je crois en Dieu qu'on appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, Elohim Créateur. Voilà. Le Verbe du commencement, l'Aleph et la et les Taf. Pourquoi je dis cela? Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, ou Yeshua, dans Mazaki Namoki, a mis Pierre, qui est une place, il a mis, qui est une place, il a mis, 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 il a mais Yesu a mis, c'est bon, pour Pako oba bengi impo ya César na kati ya Israël. Mais eloko ni na zolo wa miracle Yesu yemo ka bomola mai na vino. Il est possible mai bomo na vino ti lelo. Le miracle de la Bible n'est pas un livre comme le livre qu'on consulte dans une bibliothèque, parce que la Bible en soi c'est une bibliothèque d'ailleurs. Donc Bible les alli vie, il faut qu'on applique à nous. Mais qu'est-ce que je vais dire par là? Bah faux miracle les autres otawapi. Mutasimi batisi nae azo bomoli mai na ndenga mabe. Soko lingwe ba mutasala ka ba faux miracle na suko se ngofrande na ti. Tant que les miracles, les miracles sont poétiques à la Seigneur offrande. Pourquoi? Parce qu'il y a une baptiste. Pesa Isaac. Pesa Isaac. Voilà. Pesa Isaac. Pesa Isaac. On a invité ma révélation du Maharaj dans la Bible. Pesa Isaac. Pour miracle, on est éthique. Moi, je ne crois pas. Ce qui nous a pas dit. Au scellé, on va voir ça. Il y a moi, on a retourné la question. Si on sait qui est sous temps, on va savoir que bon, on a ramé la vie. Et puis ça va en bas, c'est là. Vrai miracle, et ça, on a glorifié Nzambe. Vrai miracle. Tant que mon toiseau, c'est un bon repos, on sent la miracle, mais c'est dangereux. Si c'est l'orientation divine, là, je crois. Mais si c'est une habitude, mon toiseau, pas ni la bureau, sinon, va au monde en aille, miracle, ça, les 1000 euros, ça, 5000 francs. Papa,
je ne sais pas, dans les Néphim, le prophète de la Bible, lorsqu'on les consulte, bah, nous consulte, bah, on va bah, place à mon fou, on va ça mon mot. Je suis contre ces choses. Donc, bah, miracle à l'écouter, côté belé l'église. Souvent, nous, mon amour, les locaux dans le bel atto, le bel amour, ma prophétie, nous, comme ça, nous, bah, c'est quoi, les canaux de Bumbashi, les locaux. Dans le Bumbashi, il y a quelque chose de très bizarre, bah, mon tchabo, ben, mon maïmi soit aigle, dans bah, si, dans ma boue, bah, on va pas le pour pas me compte, ça m'a qu'on a la carte église. Mais est-ce que je suis en train de dire que les faux miracles existent? Non, les vrais miracles existent parce qu'il y a des vrais envoyés de Dieu. Par mon ministère, on a expérimenté beaucoup de choses. J'aime pas trop parler de miracles devant la télé pour faire la publicité. J'aime pas cela. Les gens qui me connaissent, ils savent. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Tant que nous avons un sali miracle pour nous, 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 un sali miracle pour miracle pour miracle pour nous, un malade miracle pour nous, un sali miracle pour nous, $10,000. Là, je prie Dieu. Parce que lorsque Dieu donne, Azana pour ça toujours c'est les $10,000 d'abord. Nous avons le roni dans ça attend ma salaire yo. Yo volonté le lobby. Ah, nous avons ma salaire nga. Et nous sommes bon on fait pas ça l'opération. Au salaire ni 200-300 $ vite. Na compte pas ça l'opération quoi mon année qu'est-ce que je fais? Na pèse ya mon zambe. Oh, nous avons ton ma pèse qui ma pèse ça serviteur parce que nous avons tout monde qui était tout monde qui la sima ya bat. Mais ce qui nous donne un miracle là, a commencé la nous avons le lobote ka ba mai. Pour battre le miracle là, il faut teka. Donc, yo mai na wana sura kama biso révélation. Na boite ke mai, nzama ko lekana mai pa guérir. Totanga ba piscine Bethsaïda, totanga ka ba Siloé. Mais nzambe soka ko mi ko leka, ay biso po oteka so mama ina $10-$20. Papa, so ki ba se mo mai ya $10-$20 o so ma ya ngote. Ya mbone lo na ngalo. Les miracles accompagneront ceux qui créent à mon nom. Bandeko, ils a verset biblique hein. Oui. Les miracles. Ils a Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Mmh. Les miracles accompagneront ceux qui crient à mon nom. Mmh. Miracles qui accompagnent Batu Oyo Bazako Tambola. Bazako Kwarnae. Ah, voilà. Mais si on dirait Bandimi, Bakomi Kota la plus place miracle. Ils ont lié miracles accompagnés. Bakomi Kwarnae. Bakomi Kwarnae. Miracles. Bon, c'est une honte à l'église. Dans mon nom, l'église que vous voyez, les pasteurs, ils ne sont pas eu la capacité d'enseigner le chant. C'est une honte. Au moins, un pasteur qui est mort a enseigné ma camoufle est honte. Un pasteur qui martyre. Il y a au moins Jésus-Christ, il est mort Yeshua. Yeshua a un ministère à âge ni. A un ministère à âge à 30 ans. Or, chiffre 30, c'est un chiffre à maturité. Il y a au moins Yeshua. Jésus-Christ est mort à âge à 12 ans, ça a marché. Jésus-Christ est mort à âge à 30 ans. Parce que là, l'oiseau était descendu. L'oiseau n'a pas bengi, ma chie n'a pas Israël, ma bengi, quand tu peux. Quand tu peux, la kissine. Les nids d'un oiseau, parce que les machia, lorsque par la révélation, les machia, c'est un oiseau. Il y a un moment, on a 4 jours. Tant qu'on a Jourdain, on va baptiser, on a pembe na maïe, on a une salle. L'oiseau quitte, a zo pese témoignage, c'est ça qui amène à ma chia, parce qu'il y a une croissance spirituelle. Voilà. Mais les loups, pasteur Bobby, les miracles accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ceux qui auront crié, c'est les pasteurs, c'est l'évangéliste seulement, c'est les prophètes, seulement les docteurs. C'est l'apôtre, non, parce que ma pasteur va pas manipuler le peuple. En soi, miracle qu'on accompagne, Moutou, Nyon, Soko, elle croit en Yeshua, Machia. Non, on a à la prophète, Nazawanate. Moi, non, on a été encore. Soka, y'a mis Yeshua, on peut y aller malade à Biki. On va bien sur Royaume, on va sacrificater, on va habiter car à pasteur. Bisson, Nyon, Soto, Royaume, on va sacrificater. Y'a mon ancien, Bissa Moutou, Moko. Bakanga, y'a une stratégie, n'a pas moto, pour nous amasser le feu, les caraplas, l'oukouta. Nzambe asale na kamutu nyoso sauf que il y en a des gens au Nzambe bango après si bango particularité au babenga na 7 ministères. On parlera de ça pour répondre à la question. Vraiment merci beaucoup. Le miracle accompagnera ceux qui crient à mon nom, ceux qui auront prié hein. Ils a marambo biso to metisi mo malamu mingi te za ma domaine ba évangéliste longa ba prophète gloria wa mode ba metisa makambango bien biso to metisa ming makamba micro. Voilà, parlons de la prophétie. Aujourd'hui apparemment ba prophète ba komi ebélé. D'ailleurs j'ai réalisé une mission avec motolanza même européen l'équipe ka Nicolo. On a parlé sur la prophétie. Ma prophétie, il est lui comme on dirait moi ébélé. J'étais en route vers mon travail. Étant on a eu un boulot, na kuta ina prophète mo nanzela. Aye bisinga lobi mon frère, quand je te vis, Dieu m'a parlé de toi directement. Est-ce que oye bi place oyo ba kuna motolo na ngana bité. Tant qu'on va ko kola ba kanga ka ondoki. Azo ba benga nani. Ole a prophétisé, azo ba makambo ele kana sima ya vinanga. Et na zela ki na yoka
prophétie ya opé sa mikolo mizali goya fin de compte na yoka yangoti. Je sais pas. Prophétie d'abord c'est quoi en un mot? OK. Le prophétie, la prophétie c'est quelque chose que zo la qui ça à venir ou makambo ko yela yo. Voilà. Ali bosso donc le lot ça boye mutazo biso na 2020 et loko tel ko yela yo. Nazo pese sous explication. Il y en a la parole de connaissance et la prophétie. Voilà. La parole de connaissance c'est pas la prophétie. Tant mon prophète a coûté le vicio, na makambo leka ka par exemple bakanga ka ondoki. On a prophétisé ta pese parole de connaissance. Voilà. Pour ala ki so ke nzambe aye bio parce que nzambe ba nzambe a bien le bosso Moïse a bissier, je suis celui qui suis. Na hébreu ba benyango ave ove. Donc azan nzambe na passé na présent et na futur. Voilà. C'est-à-dire na passé quand tu vas relater makambo et les kaka pour la kisho kazanzam. Na présent à quand tu vas la kisayo makambo et les kaka pour la kisho kazanzam. Mais futur à zo la kisho ou en koya pour la kisho après kazanzam. Babenge alpha ou omega. Donc le commencement et la fin. Donc aye binyos. Y a mon parole de connaissance et y a la parole mingi. Ce que moi je vais passer parole de connaissance plus c'est ça va incrédible. Y a l'obité mon dieu se beaucoup passer parole de connaissance mais plus mais incrédible les abats tous les jours. Quand on évite ma camo à venir, à mon ah bah évite ça va être trans et qu'on dit ça m'a dit. Ce qu'on sait mais quoi la question qu'on sait mais qu'est-ce qu'il fait? Alors la parole de la connaissance. On a dans la Romains chapitre 12 ils ont le bilan dominer, bah don un saint esprit parce que Dieu se va passer ça va donner. Donc expliquant mon temps de le prophète ça. Quand on avoue azola qui soit au peu son parole de connaissance papa yam sitala boye loko yela obo amina la qui soit pour biso que nzamba yebio et puis parole de connaissance c'est consola ka muto e bage ah nzamba ye ba ramna sur le ba prière na prière que c'est pambati prophétie ce que c'est loko ko yela on a venir mingi parole de connaissance yaka ko accompagner prophétie ya mon mon a plus de prophètes un prophète de ministère azanga parole de connaissance té azanga pe do un prophétie té c'est un peu ça tu qui na lobe non pour na prophétie. D'accord, parlons maintenant don mineur. Isani. Don mineur, ils ont 1 Corinthiens chapitre 12. Don ya roi Kodesh, ou bien Saint-Esprit. Ou on a des don mineur. Ils ont don ya 1 Corinthiens chapitre 12. Parce que don prophétie, don parler langue. Ils ont don béné batani wana. Don miracle, don de la foi. Il y en a beaucoup de dons. Malheureusement, l'église est focalisée sur le don de la prophétie seulement. Parce que don sagesse, don discernement des esprits, don de miracle. Voilà. À part le miracle, il y a don mineur, tout ça est don majeur. Le don majeur, c'est les 7 ministères. On a parlé de temps où les machines, ils voulaient monter. Alors, il y a ça, l'action. La Bible, il y a apaisé le don na batu. Il y a don en haut. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. On a basali, badon, azad na don kakati, mazado. On Yeshua Mashiach a pessi peuple naï. Donc quand tu reçois un prophète, il y a mon Bible là-bas, celui qui reçoit un juste aura la récompense d'un juste. Donc tant que le juste va le tchadik, on l'expliquera cela un jour. Lorsque va le basco verset donc le continue le balini, celui qui reçoit un prophète aura la récompense d'un prophète. Pourquoi? Parce que récompense on est en moulana prophète partout. Prophète encore libéré comme toi au Karamo. Pour Bible le bas dans 2 Chroniques chapitre 20, le 21 verset. Croyez en Dieu, vous serez affermi. Confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Passage belé. Osée chapitre 12, le 14e verset. Par un prophète, qu'Israël a été monté d'Égypte, et c'est pas un prophète qui l'a été gardé. Donc, prophète, c'est un mot à ça, quand on a posé ta personne, on a dit, déjà, il y a sa bénédiction, il faut libérer en présence. Mais est-ce qu'il faut y amener bien? Pour ceux qui aiment bien trouver des prophètes, parce que la Bible est là, si on continue à dire qu'on a un peu bien, pourquoi la Bible est là? On a un petit peu bien. Il y a un peu bien pour attirer la bénédiction. Voilà. C'est beaucoup de choses. Ministère prophétique. Qui peut être prophète? Qui peut être prophète? C'est celui qui est appelé par Dieu. Dans le ministère. Comment être appelé? Comment être appelé? Là, c'est la souveraineté de Dieu. Quand nous amenons, nous avons bien la souveraineté. Il est Elohim. Je parle d'Elohim, ça est, parce qu'il y en a des Elohim. On peut expliquer ça un jour. Mais non, mais l'Elohim créateur, il est. Il est prophète. Ou bien il y a Navi, il y a Sengilie, il y a Zomon. Donc, il y a un peu de
Grâce. Parce que la loi nous a disqualifié, la grâce vient nous qualifier. Tant qu'on a la grâce, on a la qualité que nous avons un peu de temps. On a la loi nous a dit, mais de façon, on a qualifié par la grâce. Il y a moi, soit les souverainetés, mais on peut expliquer à moi. Pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de prophètes. Je me rappelle encore, j'avais un ami, paix à son âme, prophète Seda. Vous voyez? Oui, pour faire qu'il y a. Voilà, c'est vraiment un ami à moi. Je le connais très bien, on s'est connu depuis. Moli mon épée manakimi en dette l'obaka. Bisoto mes salons va moli mon épée manakimi va prophète va linga tout l'oba bon côté. Je m'appelle la linga moli mon épée. Linga roba mingbo. Bisoto tout ça va imma tout l'oba kamoli prophète Seda, il y a zaki sur azo sala miracle. Adinda kana libulu. Parce que bois que les motos. Une fois j'ai assisté déjà à Blogone à Salaman. Un homme on regarde la TV. Le roi c'est un frère. Na comment na puta na naï. Na qui na moni siga Salaman. Moi mais c'était pas possible spectacle. Vous allez dire peut-être que prophète Seda. Bisso tu le vois peut-être que prophète Seda a qui a appelé. Bisso selon Bisso. Y a moi ici comme tout na langue ici ko ezaboui. Moto mo roko la mukana tomo alobi. Dieu m'a parlé et je suis devenu un prophète. Bon, mon place wana na invité souki na ba prophète à Bible toujours allons la Bible. Voilà. Mali molobe la Bible. Voilà. Na ki non ancien testament na tobenga mon testament ancien parce qu'il y a tout un débat là dessus. Voilà. Mais to ki nika na ancien testament na tolobaka. Na Bible so tali ba tout le roi Samuel ba benye nzamba ti pemene ili. Est-ce qu'on a tout na ka maître ya Eli le Tishbite. Mon temps enseigné ezalana. Na tuni question. Na tuni ba tu question, na tuni auto sa journaliste. Yo ko répondre na tinga tuni ba to ba taling. Voilà. Très bien. Maître Eli le Tishbite sala kanani. Na tuni sous question. Moïse, il était enseigné parce que na bi moi histoire ya Moïse makambo ebele wana. Je lis un peu quand même beaucoup de choses. Na za na midrash na ya na tanga. Skoyo Moïse tant wabenga makaza pembe na Jétro poni no lingana loba. Il y en a des gens nzamba benge prophète le roi Jérémie maître na zalaté. Mais problème est ani tant nzamba bengo ezana bato okuta déjà, il faut ba enseigner. Bala qui sont dit là. C'est ça. Bala qui sont okoto ke nenenge ni no kosala nini. Pona mo kilo to kuta bato. To kuta mutu mo vandaka déjà na makambo ngo leka ngana yo. Donc il faut enseigner. Ozano na appel, ozano bonzambe, ozano na auction. Osambela no mata mangenge ngo ke luzizi la badara. Et tendance, la vie son mali na bosani pour la Congo na Kinshasa par la grâce de Dieu mon mona kino te zabata. Donc d'abord mon mana no sokina rana yo. Mais problème c'est faut ça mon toi enseigner yo. O mon na mutu wa Samuel, andola la ta. Samuel a une dimension mon ko sama étonné des fois quand je lis la Bible. Bible lo ba Samuel andola la wa, là où il y avait l'arche de l'alliance. Explique un peu les tabernacles. Tabernacle ça na lié, ça na parvé ça na lié saint, dans les très saint. Arche de l'alliance. Et ça qui n'a l'air très sérieux là la couna. Bon, la Bible, les autres, on va nous embarquer. Ah, que le loup, papa n'a pas. Nani, il lit les prophètes. Ok. Donc, Samuel, on a collé la lettre très sain. Mais la lettre très sain, on a, à ça qui n'a père n'a lorsque on a collé la, lorsque la voix de l'éternel, et ben, on a collé la lettre, à ce qui n'est pas sa tatane. Tatane, c'est ce qui va bien gueuler sous. L'oba, je suis là. Pourquoi alors qu'il passe à Tatani, pourquoi pas dire c'est lui le maître? Parce qu'en soi, aujourd'hui à l'église, on parle de père spirituel. Voilà. On parle de père spirituel. J'aimerais que les gens me répondent. Lorsque Paul parle de père, il a cité le père spirituel. Non, le père spirituel en soi, c'est une déviation. Je l'ai dit clairement. Celui qui peut me contredire, il peut venir dans cette émission. Même un débat avec lui, on va discuter là-dessus. Le père spirituel, c'est Dieu. Jésus-Christ n'a jamais été un père spirituel sur la terre. Il était rabbi qu'on appelle maître. Il y en a qui est le maître, il n'y a pas de père spirituel. Voilà. Je voudrais dire aux gens, si quelqu'un, tu es un prophète appelé dans le ministère et que Dieu t'a appelé, va chez quelqu'un que tu considères comme homme Dieu. Parce voilà. Que en hébreu, il n'y a pas des articles. Je dis homme Dieu, je ne dis pas homme de Dieu. Je dis homme Dieu. Donc, qu'il n'est pas ça homme Dieu par révélation. Ne choisis pas par sentiment et conviction. Choisis par révélation à enseigner pour être propulsé dans le ministère. D'accord. Qui peut manger ma salaire. Bon,
obive. Ipe mon jour la dit. Voilà. Avant tout comme na masolo a kolo mama dim tout ce qui sa wana ministère prophétique. Ba prophétise ande ni. Comment ça vient? Prophétie ya ande ni. Et ça so moni moto mon nzamba komo loba. Parce qu'on dirait les lo, laissez-moi vous dire quelque chose. Vérité mon bwe na kata ndaku na nga na za na prophète mo randa ko ya fond. Tant on foutait na lemba. Prophète na za ki sura yi. Awa yi sanga na moni wana ba komba. Famille n'a pas combattre. Écoute, maman n'a pas de salaire et l'eau au mot. Papa n'a pas de salaire et l'eau au mot. Lui, il a mis ma main à passer pour me dire enfin, au moins, on a passé un psaume. Tant que psaume, il y a un peu de temps. Il peut faire un peu de temps. Avec le temps, il y a un peu de temps. Ah, Dieu a un peu de temps qui verra. Pour moi, on a maître. Tant qu'on a fait une telle habité, oh, ah, au cosanga. J'ai essayé de se débarrasser pour la monnaie et moi vérité d'arriver à m'ingiti. Quand est-ce qu'il va prophétiser? Ok, je vais si par en passant, je vais ramasser un peu les trois types de prophètes. Il y a plusieurs types, je vais ramasser le truc important. On a trois sortes de prophètes. Voilà, très on bien. On a les roé, le roé, les rosen, le rosen et les nabi. Les roé, les roé, ouais, les rosen et les nabi. Qu'est-ce qu'un roé? Un roé, c'est quelqu'un qui voit à d'une manière permanente. Comme Samuel. La Bible dit quoi? Lorsque Saoul a eu place à Samuel, a eu place à Samuel, Samuel est nani disciple, moi, Moussala, et Saoul a eu place. Et ça, n'a voyant mon corps. Mm. Dans Israël, parce qu'à ces temps-là, on appelait tout prophète les Nabis. Voilà. Donc, ils en voyant mon corps à mon aka d'une manière permanente. Voilà. On a pas bengé roué. Voilà mon aka. Yesu dit au continent d'Akunaï, je connais même un prophète à l'Ikasi. Yé Azala Abimali Bandati. So kotika na kata vie d'Ikasi Amonio. Azanganga tes prophètes, c'est une question de travailler les dimensions spirituelles. Sauf que toi, tu le mets là, je suis partant. Deuxième, c'est Rosen. Rosen, c'est un prophète. C'est un prophète qui travaille dans l'atmosphère prophétique. Il y a une atmosphère prophétique qui est établie. Là, il y a le fils des mannes de Jibitoun et de Azaf. Au moins dans la Bible, tant que dans la Bible, autant dans 1 Samuel chapitre 10, tant que nous Samuel, Saoul, moi, la Zébis à Saoul, au concours, dans la troupe, dans la prophète, dans la Olié, tant que nous avons travaillé dans la tambourin, dans la mbunda, dans l'investissement musical, tant que nous avons prophétisé, en fait, il crée l'atmosphère prophétique. Au moins, dans le fils d'Azaf, il va travailler à Bourou, dans le fils de Man, et dans le fils de Jiditoun. Ce sont les trois types de prophètes. Quatrième type de prophète, c'est ça, parce que le prophète au pluriel, c'est les Néphilim. Au singulier, c'est les Navi, Navi ou Navi pour les francophones. Permettez-moi, je connais un peu les vrais. Vas-y. Donc, si vous avez un Navi, Azanani, Azan le roi Jonathan, il ramène l'insigne de l'éternel. C'est ça le problème au Congo. On a l'insigne des prophètes, mais appelé l'insigne de l'éternel. Qui peut s'élever comme un prophète pour nous dire l'insigne de l'éternel? Au moins, le roi prophète, il a quand même la parole de connaissance. Namona Ikombononi, à venir. Makwanza, numéro 92. Après ça, qu'est-ce qui change dans la vie des autres? Rien du tout. Rien du tout. Il y a un autre qui a prophète école de Jonathan. C'est ça ma prière de chaque jour. C'est pour cela que je dis que je suis un réformateur, je suis un revivaliste. Je ne suis pas venu combattre les gens. J'utilise les épaules des gens pour être élevé dans des bien. Maintenant, on va dire au Congo, on a besoin de prophètes, non seulement traumatiques. On a besoin des gens qui nous amènent ainsi de l'éternel. Ceux qui battent va commis. C'est là où on va célébrer Dieu. Donc c'est un peu ça. Un prophète, il peut voir, n'a pas si trois écoles pour répondre à la question. Non. Vas-y. Prophète, on commence à chaque jour. Alala, l'amour qui est au monde. En ce prophète, on va bien dire oui. Rosé, n'a pas à travailler à bon côté. Il y a à travailler dans l'atmosphère. Au monde, on va tout nous sous. Il n'a pas besoin de parler avec toi, 10 mots, 3 motés. Après, il a posé son numéro, adresse à téléphone, et puis t'as lié. A éliminé le signe, l'éternel rentre. Mais ce qui me fait encore mal, papa, et si les prophètes n'est le Kina Kongo, les prophètes avaient dit, et puis, l'église, c'est comme la fanatique, pas les fidèles. Je voudrais dire une chose, permettez-moi. Vas-y. Et ça, il m'a dit, prophète, excusez-moi pour la question. Non, le belo, excusez-moi, ça me fait mal. Aujourd'hui, on a pris les fidèles de Jésus. On a les fidèles des pasteurs. On a les fidèles des apôtres, des évangélistes et des prophètes.
revenez à la raison. La Bible dit, allez-y. Donc, dans l'hébreu, vous allez allez-y, vous allez en étant parti. Faites-les mes disciples, pas vos disciples. Les disciples de Yeshua Machia. Celui qui a été crucifié, cracheté, fragilé, insulté. Il y a un film catholique qui a été fait à l'Okuta. Il y a ni sa nidité était dévoilée devant les gens. Moi, il y a 33 ans, un beau gosse. Il y a 33 ans, bazu nidité de bâtir les bosses. Ba disciple bosson disa. Et puis, nazo sambelanza, mais je sais que l'esprit de lui, l'esprit de lui a été limité par Jean-Baptiste. Voilà. Je sais comment je peux expliquer ça. Le roi de lui a été expliqué. Imité par Jean-Baptiste, mais je prie Dieu, telle est ma prière, que Nzambe a réussi à bénir sa génération. Il y a un prophète qui va ramener les pères, les cœurs des enfants vers les pères, les cœurs des pères vers les enfants. C'est ça le but de l'évangile. L'évangile n'était pas béni. Pour OMI, ça va tout pas comme un disciple, non, mais pas comme un disciple, je suis ma chère. Mais dans le vide, si vous avez un disciple, je suis ma chère, pour respecter maître, non, je suis contre Abraham, le lot, Abraham, il est notre père dans la foi. Mais le pasteur, par contre, ma père spirituel. Mais ça, il me dit, la source générale est Christ. La source générale est Christ. Mais, il y a contradiction. Pendant que vous avez Abraham, père de la foi, mais vous avez un pasteur, père spirituel. Donc, c'est le pasteur à l'égard Abraham. Je suis contre ça, papa. Moi, je suis contre ça. Voilà. Contre ça. Dans mon pasteur, mon solo, Abraham avait trois fils. Les trois fils d'Abraham. Les trois fils d'Abraham. Abandi. Les juifs. A qui les sous-na. La banane. Babo banane. Arabe. Batouana. Aya kitine église. La tout n'est-ce que pour les fils de Kétour. C'est une question. Bazaï ma fils ni. Un jour, je vais expliquer qu'est-ce que le peuple hébraïque, le peuple juif. Et les Israéliens. Voilà. Alors, on peut expliquer un jour à passer en Akadji. Merci beaucoup. C'est par là que tu as une question. On a un souk-ezawa. Dîme, offrande, action de grâce. Na premus eza makambo yonde ezo sala biso mwa nya mu nya mwa wa bande ko bele ba oyebate nani nde fo ali adi bande ko ba oyebate nani nde fo zo action de grâce tant qu'est-ce que okope sa action de grâce premus eza nini action de grâce eza nini offrande eza nini dîme eza nini omoni yango normalement l'église omoni excusez na vas-y na bisa bino l'église en monde ati je me suis dit que tout le monde a des questions sur l'église. Tout le monde a 325. Ce que l'église catholique a amené même dans l'église des réveils. Bah, tout le monde a des pentecôtistes. Je ne critique pas tout le monde. Beaucoup de gens, si l'église est là, vont somnoler. Et puis, je vais dire des vérités si j'essaie de dire. Au moins, les alabans, peut-être là-bas, nombre de faits, mais la première des choses, j'essaierai de rejeter parce que Dieu m'avait dit ça. Ce que je vais dire, ça va choquer tout le monde. Je vous l'ai dit et je vous rassure. Ça va choquer tout le monde. Moutouni n'a pas de dîme dans cette église. Et ça, Cohen Kadol. Cohen Kadol est un souverain sacrificateur. Grand prêtre. Dans le bien mon hébreu, Cohen Kadol. N'a pas Cohenim. On va bien dire le fils de prêtre. Aux autres, on va tout le monde dire. Les gens vont bien dire. Les gens. Ah mon Dieu. Vas-y. Faites sa prémisse dans cette église. Va bien dire. Faites un Pentecôte. Oh ya koya kola kisangai na histoire ya ba fête biblique fête ya Pentecôte comme fête à Saint-Esprit ayo la kisangai place fête à Pentecôte comme fête à Saint-Esprit Pierre et les 12 disciples batika la fête à Saint-Esprit ba fête fête au babengi sukoche fête à Pentecôte 50e jour après les Pessa ils ont fait à Pâques. Parce que c'est parmi les trois fêtes de pieds en Israël. Fête à pieds, fête à Matakango, Makolo. Moutoua Lungwe, à Lungwe, ville à Jide. Azo Matati, à Jérusalem, Makolo. Donc, ces trois fêtes-là, ce sont des fêtes. Pour qu'on ait célébré le comme fête à Pentecôte, tu as fêté Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a contre Saint-Esprit? Je crois totalement au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Revenez à la raison. La fête de Pentecôte, c'était une fête. Il y a prémisse. Il y a mon la couchité place à prémisse. Prémisse, c'est Zalini. Et Zalini, le coin, on a tiré Bilangan, elle a ma belle. Voilà. À Baloli. À Tchébagren. À Tchébagren. Et Boti. Et Boti, comme il migre. Fait, et là, on a passé la canine au bouki. Au bouki, on a passé la canine au bouki. Ma pêche à Kango, Nzambi. Pour nous avoir bénir, c'est pareil avec le travail. Lorsque tu travailles, premier salaire, normalement, on ne le mange pas. On le donne. À un Cohen Kadol. Allez-y comprendre, le souverain sacrificateur à l'église, c'est qui?
allez-y comprendre. C'est un peu ça ce que je peux dire. Offrande. Qu'est-ce que d'abord il faut définir offrande la dîme d'une manière simple, expliquant vous facilement. La dîme c'est l'impôt. L'offrande, ce n'est pas l'impôt. L'offrande, c'est quelque chose de volontaire. Il y a mon Paul, dans Romains chapitre 12, le premier verset, dit offrez vos corps, à l'obité, d'un côté. À l'obité, offrez, c'est-à-dire, il y en a une question de volonté. Offrez vos corps. Qui va offrir le corps? C'est le roux, c'est l'esprit qui offre. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Esprit nous offrir corps. Il y a mon Bible, là, offrez vos corps. Donc, offrande. Il y a mon bébé qui offrit volontairement. L'offrande, c'est quelque chose de volontaire. Nous devons payer sans mot, soka lingi, soka limité. Mais dis-moi ça, impôt. Est-ce qu'il va foutre un impôt volontairement? Non. Impôt est obligatoire. À chaque fois qu'on joue un bon, on ne faut plus nous la dire. Il y a un moment où il va se maudit. Je vous dis. Parce que celui qui mange la dîme, il mange même la sémence. On sonne, il est dans un peu cet exemple de mort. On joue avocat. Avocat. On joue dans le lien. On lien à l'amour, ma carte, on va venir noyau. Si on lien noyau. Mais au bon moment, ce que je veux dire, c'est que je veux dire 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 sacrificateur je veux dire que je veux dire sacrificateur je veux dire c'est ça les cinq ministères, c'est pas ça. Voilà. C'est lui qui mange la dîme. C'est dans la carte, c'est écrit souverain sacrificateur, les pasteurs. On peut pasteur. Voilà. Il y a un mot l'opé si pasteur. Parce que soit il monte mon soir à l'assemblée en église, mon côté, assemblée à la catholique, assemblée à la missionnique, assemblée à la qui me invite à thé, assemblée à la qui me banguiste à thé, assemblée en église de réveil. Mais pendant que assemblée à la côté, ma coutane n'a prophète Moro to évangéliste Moro Bouéto, pasteur, docteur Moro quelque part, en dehors de l'église, n'aïe. Alors que je vois dîme à paix. Pourquoi pas? Mais si tu as ton père à toi, au Bobengi père, ton maître est là, au Bobengi, bon, maintenant, père, c'est tout un débat chez moi. Je sais pas. Mais maître est là, au Bessa maître est là, nous t'en enseignons aux paroles. Vous voyez, maître est là, dans ce qui vous pèse, nous t'en enseignons aux paroles. Tout le monde, pour l'église christianisme, le lot attend à Israël, les est sous la barre, dans le bas. Temple dans le tombamité, souverain sacrificateur dans le balobier. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on puisse se mettre dans aussi un peu ça. Merci beaucoup, prophète Gloria. On clôture ici, tout ce qui s'y aura, numéro à téléphone, mot de la fin, la bande de Koba Talibiso, et puis message moro clé au Koba Talibiso. Voilà. Je réponds au nom de prophète Gloria et j'ai juste un petit message. Mon message, c'est la réforme de l'église. C'est le taoul. Ce qu'on appelle chrétien, vous devez vous réveiller dans beaucoup de choses. Ce n'est plus le temps de somnoler, c'est le temps de revenir vers le Père, toi qui pêches. Jésus-Christ a versé son sang pour toi. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu vas vivre éternellement en marchant dans la sanctification. Voilà. Deuxième de choses, dans le loba, bon, si tu as un disciple, un pasteur, tu as un disciple, un ensemble, il y a Yoshua. Voilà. Mon numéro, c'est +243 82 061 32 40 +243 82 061 32 40. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous étiez si nombreux à suivre cette émission sur BTV 3. Abonnez-vous massivement. Partagez cette émission. Likez, commentez aussi cette émission. On a fait cet entretien avec le prophète Gloria Moboya, l'homme dédié. C'est par ici que nous achèvons cette émission. Ce qui est émission et sepelissio, le bas merci na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui peut sepelissio, c'est tout ça, bateau. L'imbisabiso, tout son qui peut-être m'balassima, tout kobongisa. Un grand merci à papa Pierre Elvis, à telle émission, et aussi un grand merci à Biem Moukwata, na Grèce. Un grand merci à maman Zozo, aux États-Unis, à telle émission. Aussi à maman Véro Balissa, Bokomba Lombongé, à Flore, Fabrice Don Benin, à Belgique, Roblex, Moscadon, Niembo, à Matambapa, à telle émission. Nganabino, demeure. Tout demeurer dans Jésus-Christ de Nazareth. On a vu notre coup dans la cima. Ce qui nous a fait à Zongiti. Numéro de téléphone, ils ont assez. Ce qui nous a fait à Posa ou à contredire, Moto Nanzambe. La porte est grandement ouverte. Ben Abisha, numéro, ils ont assez. On a aux prophètes, aux évangélistes. Au monde qui va proposer au pasteur, au prophète à tenir à Zakito Komingiti selon eux.
benga biso même na ligne to tout ça émission même à partir ya ligne na téléphone soza pe na Belgique obengi biso rempli ka ba norme to ça no émission oza fait na France oza na Paris oza na États-Unis na Asie na Afrika wa benga biso to ça no émission. Merci beaucoup na papa Mardoché pour na cette pour na réalisation qui toko makasa sali biso. Aussi, merci beaucoup na directeur général na biso Pierre Elvis na bandeli susu. Merci beaucoup papa. Ngana mi otokuta na mikolo mizali ko ya soki nzamba zongite tokoloba lisusu. Awa neske monsieur Sili. Au revoir. Sananga ezayo Toto nanga ezayo Nalingi yo na motema Sala nanga tinasuka Tindelanga